Oui, Brabourg dernièrement disait, mais bien sûr, il y a du retard. Écoute, on fait notre possible justement pour ne pas être à l'heure. Parce que Ah voilà. ah, bah voilà. Ce serait, je crois, aller à l'encontre de nos valeurs. Ok, N'est-ce pas? bah, je vois le chat de Brabourg. Ok, ça va. Parfait. Parfait. Bah, du coup, moi, je vais Merci. continuer la partie. L'objectif étant, je sais pas encore si je vais tout de suite retourner voir les nettoyeurs, les autres nettoyeurs, qui m'avaient totalement manqué de respect la semaine dernière. Tout à fait. Je vais essayer de voir si je vais mettre ça en full screen. Oh, c'est magnifique. Oh, Tu l'as comme mis en full c'est screen? beau. Oui. Ah, et Twistity59 qui débarque en disant bonsoir à tous, comment allez-vous? Mais on va très bien, Ouais, merci. on fait aller. Et toi, Twistity, quelle nouvelle? Twistity, dans mon souvenir, je crois que j'ai fait quelques parties de Hearthstone contre lui. Oui, tout à fait. Et dans mon souvenir, c'était plutôt équilibré. Utilise plus de grenades, c'est pas tant que Les ça grenades, c'est la t'aidera, vie. mais les grenades, c'est la vie. Ah. Oh là là. Écoute, je vais essayer, hein, cette fois-ci, je vais essayer de surtout essayer de trouver le pattern, tu vois, le match-up qui va faire en sorte de m'octroyer la victoire, si je puis dire. En fait, je pense qu'il fallait d'abord que tu level un petit peu, quoi, parce que, Ouais, en mais fait, écoute. la mission que tu étais en train de faire, c'était une mission niveau 7, Et moi je suis et niveau que ça 5 là se pour le moment. sentait. Le problème c'est que voilà, c'est mon côté un peu revanchard là pour le coup. J'ai juste envie d'y aller Oui, bien sûr. à la tatane quoi. Tu vois, j'ai envie de foncer dans le tas et de le rentrer dedans La là. Franchement, tatane. Ouais. ils Et m'ont tu peux, vraiment, hein? ils m'ont mis le seum quoi là, la semaine dernière. Allez. Oh. Ah. Chargement. Je sais pas si vous voyez le chargement pendant que ça charge. Moi aussi, c'est vous, un Si, autre si, écran qui si. s'affiche. Ah, ok. C'est relativement lent, hein? Ouais. Malade comme un chien. Oui, on a joué ensemble. Oui, c'était équilibré. J'en avais gagné deux et une pour toi. Oh, l'enfoiré qui a même gardé en mémoire le. Moi, franchement, je pensais encore avoir un minimum de fierté en disant. Ouais, c'était équilibré. J'avais une tête d'avance, si tu veux, Melgan. Melgan, on se souvient très bien qu'on avait Non. joué. Les relevés Ok. indiquent que cette zone est sûre. Alors, dans mon souvenir, oui, on venait de trouver ce refuge dans lequel on avait des échos. Et je crois que j'avais déjà récupéré les nouvelles missions. Donc, on va peut-être faire un peu de Ouais. level up. Est-ce que c'est par là la sortie? Il me Voilà, semble que toujours le c'est par là. refuge, effectivement. Donc, je te propose éventuellement de prendre la map Ouais. pour voir une fois ce que t'as comme truc. Alors, ça, c'est le lieu de rencontre. Alors, ici, j'ai une mission secondaire. J'ai deux missions secondaires dans les environs. J'ai ici un tissu. Voilà, Ça veut dire donc en quoi, fait, ça, tissu? tu as des missions secondaires et ça va te donner du loot et des sous en général. Et tu verras aussi sur la map que tu as trois types d'icônes différentes. Tu as des bleus, tu as Des vertes? des verts et des jaunes. Et ça va te donner des ressources pour customiser en fait Le lieu ta de. base D'accord, principale. d'accord, 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 d'accord. Et ici, le tissu, ça veut dire quoi, ici, tu vois? Le quoi, pardon? Ici, un tissu, marqué tissu sur la carte. Ah oui, ça c'est des matériaux pour faire du crafting en fait. D'accord. Bah, tu sais quoi, on va aller chercher ce bout de tissu. Et ensuite, on va continuer notre route pour aller faire On cette va pas mission tenir! ici. Ils tirent sur tout le monde! Bordel, Brabo, si oui, je jamais connais la ils ouvrent les série valves! Manac Arms, bien Capitaine, sûr, bien dis-donc! sûr. C'est des fous furieux. Et effectivement, ils ont créé Attention, vous les quittez la cartes zone de d'IAS, sûreté. quoi. Et elle est totalement pas du tout maniable. Comme par hasard. Ah oui, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Agent, on a quelques difficultés avec le réseau de communication. Vous On n'a pas pourriez encore essayer de les foncé tout de régler? suite, d'accord, c'est comme ça. Perso, j'ai jamais tourné une tête pareille, alors je peux Je pas vous aider, j'ai un devrais, secours. alors je Garde. parle au conditionnel, hein, mais je devrais recevoir en principe
Dark Souls 3 sur PS4. Ah! Je m'étais dit. Ouais, oui, bah c'est bien! Je m'étais dit que je me ferais bien défoncer en ligne. Enfin, peut-être un stream dessus. Mais non, il faudra qu'on fasse ça à deux parce que c'est un grand moment. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je te le dis, tu vois. Vous êtes un ange. Voilà, je mets la gaffe et je suis encore capable de me tromper de route alors que c'est affiché j'ai, en euro. J'ai fait le deuil du fait que je vais pas prendre l'édition Collector Prestige qui coûte quand même 300 euros. Ah ouais, J'aime bien le jeu, mais à ce point-là, non. Alors, on va ici récupérer une Non, il n'a pas Doge. fait la bonne échelle. Il est clairement pas fait la bonne échelle, le truc de Man-at-Arms, mais bon, voilà quoi, les échelles dans Dark Souls, je veux dire, quand tu vois par certains armes qu'ils ont, voilà quoi. Bon, Ouais, bon, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Là Tu vas. j'ai été chercher le j'ai fouillé dans le Le sac, je sais pas tissu. si tu as vu. Voilà. Non, Je je vais le voir regarde. seulement maintenant. Ok. Là je vais voir s'il n'y a pas d'autre loot. Je vois qu'il y a une porte à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste la sortie. Alors maintenant que ça c'est fait, ben je vais aller Tiens, j'entends vibrer, c'est normal? J'entends un téléphone qui sonne. Ah ah! C'est bien. Non, ici, il y a dans le jeu. Pardon. Cambriolage du Ah. centre de tri. What the fuck, comment je fais? Faut faire quoi là? Collecte. Et il y a trois corps qui sont Oh arrivés oui, hier. effectivement, On les les a décontaminés et mis tu dans vois, des sacs. tu vas trouver des Ok. téléphones un peu Quelqu'un petit peu viendra les partout, récupérer d'ici une heure. et c'est en Super. fait pour l'histoire. Ça te Honnêtement, je sais raconte pas un peu comment vous faites l'histoire. pour supporter tout ça. Moi, je commence vraiment à. Attendez. Il se passe un truc là. Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. C'est un centre de convalescence du Serra. Je vais Non, vous demander effectivement, il y a plein de de. petits loups Et tout aujourd'hui, se passera bien. Tout ce qu'on veut, c'est les Chut. médicaments. M'obligez pas à faire une connerie. Alors, Oh normalement, c'était mon Dieu, pas c'est pas vrai. Fiber, mais Gilles était indisposé, pas dispo. Et donc, Cthulhu, normalement, c'est la semaine prochaine. Alors, c'est ici, à la planque. C'est où? Capitaine, on va pas tenir! Ils tirent sur tout le monde! Bordel, si jamais ils ouvrent les vannes! Capitaine, ils ont un... Ah! Mission secondaire, c'est là ou quoi? Terrain de Hudson, disons, localiser l'antenne et rétablir les communications. Voilà. Oui, donc en fait, les missions qui font avancer le jeu, c'est les trucs où tu vois les terrains colorés comme ça, tu vois. Ok. Ça, c'est les missions qui font avancer le scénario, en fait. D'accord. Tiens, ici, il y a des escaliers, est-ce qu'on peut monter? Et il y a Brimbourg qui demande si un jour est-ce qu'on verra Mehdi. Est-ce qu'on verra un jour Mehdi? Mais figure-toi que c'est une question qu'on se pose aussi. Et je pense qu'il n'y a que Mehdi qui pourrait répondre, mais voilà quoi. Parce qu'en gros, pour être un peu plus détaillé l'histoire, Mehdi, c'est vraiment un gars qui doit rejoindre la troupe. Mais voilà, pour des raisons, je sais pas si c'est de logistique ou si c'est de timing, jusqu'ici, ben, il n'a pas été trop disponible. Donc on a hâte de le voir rejoindre la troupe. Il a déjà rempli ses fiches, dans mon souvenir, c'est ce que Gilles nous a dit. Oui, tout à fait. Et en fait, c'était vraiment juste un problème de logistique de sa part, de ses obligations personnelles, où ça foirait un petit peu, quoi. De Division, personnellement, je pense que moi j'aime beaucoup, même si c'est pas mon genre de jeu, mais on s'y prend, quoi. Maintenant, où c'est ce que t'en penses, Alors voilà. moi, en ce qui me concerne, j'aime jusqu'ici en tout cas ça, je kiffe, j'aime beaucoup, parce que bah voilà, c'est marrant, mais tu vois, c'est un jeu où t'as des missions pourtant super linéaires, mais voilà, il m'arrive quand même de me perdre. Tu vois là, je l'ai mis sur la carte, je vais retourner, hop, je suis censé être juste à côté. J'ai pas rêvé, tu vois, il y a un truc, ça c'est moi. Il y a une mission juste là, mission secondaire, et j'arrive pas à y accéder, tu vois. Faut rentrer dans le bâtiment par une porte, à mon avis. D'accord. Bah tu sais quoi?
Quel œil au diable? Il y en a une autre là. Il y a des gens qui crient en plus. Dans mon souvenir. Rabour, on sait pas sa classe vraiment, mais on pense que ça va être un corps à corps. Le tunnel est le principal point de passage pour la nourriture, les médicaments et les armes en provenance de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a un groupe d'émeutiers armés et équipés d'explosifs qui essaient de traverser la zone de quarantaine. Il a bien résumé la situation. Ici le capitaine Benitez, demande de soutien immédiat au niveau du checkpoint du tunnel Lincoln. Ces connards prennent le blocus d'assaut. S'ils font sauter les vannes, on va tous se retrouver sous la porte. Ça fait une mission. Oui, donc je rajouterai aussi, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il est joli en plus, tu vois, il y a ce... C'est du Tom Clancy, il y a un chouette scénar et ça c'est une histoire qui est racontée par petits bouts. Alors ici il y a des gars, est-ce que c'est déjà eux qui sont hostiles ou rien à voir? Je ne pense pas. Putain, c'était quoi ça? What the fuck? Ah bah si. Oh putain. Moi je me jette dans la gueule du loup comme ça. Oui, ce sera un corps à corps et puis probablement. Personne veut de quoi ici. Oui, tu te jettes effectivement dans la gueule du loup. Tu sais que t'as un radar. Hein. Mais le truc était pas rouge, tu vois. Non. Ben, pas rouge, pas comme maintenant, quoi, en tout cas. Salve, bon, en tout cas ce qui était ici c'est fait. Ok, ensuite on avance. Ah ouais, ok, il y en a même en haut. D'accord. Oh putain. L'un d'entre eux a dit il faut qu'on le force à sortir. Bah, c'est même pas genre. Ah oui, non, les tactiques les tactiques de l'intelligence artificielle, elle est assez bien faite, quoi. Bon, parfois elle est assez con parce qu'ils arrivent tout droit sur toi, mais quand tu joues plus ou moins, bah, ils te jettent des grenades, ils te forcent à bouger, ils essaient de te flanquer, quoi. C'est pas mal, quoi. J'aime bien, il y a un sniper là-dessus, il y a deux en fait, snipers au-dessus là qui pardonnent pas. Ah ouais, ouais. Hop. Et en général, ils sont impitoyables, les snipers ils te ratent pas. Ouais, mais là, je vois pas qu'ils touchent, c'est one shot et je suis en mauvaise position. Là, j'en ai eu un. Ouais. Donc là, il va m'en manquer encore un autre, je crois. Qui donc, est pour caché. Répondre à Twist. Pour répondre rapidement à Twist City. Là pour l'instant, c'est des missions solo contre l'intelligence artificielle, tout à fait. Mais il y a toute une partie PVP aussi, quoi. Et les missions en solo, en fait, tu peux les jouer aussi en coopératif. En d'autres termes, si l'un d'entre vous joue à The Division sur PlayStation, qui n'hésite pas à me le faire savoir et éventuellement on pourra unir nos forces. Alors, exactement. Moi, malheureusement, je l'ai pris sur PC parce que bon, je suis surtout PCiste, malheureusement, ou heureusement. donc voilà quoi. C'est pour ça qu'on joue pas ensemble, mais voilà. Tout prendre. Ok, donc on continue. Checkpoint, ça c'est une bonne nouvelle.
Et je viens de voir que tu as pris un gant bleu. Capitaine, ça, c'est déjà il pas se mal. Dirige vers le tunnel. Un gant bleu. Il tire sur tout ce qui bouge. Oui, c'est une armure bleue. Je pense que c'est ton premier morceau d'armement, d'armure bleue. Quoi. D'accord. On va voir ça tout de suite. Donc, inventaire. Armure, gant. J'ai un gant de sécurité niveau 15. Mais le gant que je porte... Ah non, c'est niveau 5, pardon. Le gant que je porte actuellement, c'est le gant anti-coupure, je crois. Attends. Tu dois regarder tes stats, ça, en général. Tu vois, quand c'est en vert, ça augmente tes stats. Quand c'est en rouge, ça les descend, quoi. Ouais. Ici... Bah ouais, en fait, il est mieux, le gant bleu. T'as raison. Hop. Alors ici, armure, est-ce que j'ai quelque chose, sac de protection? Hop, mais ça, je le porte déjà. Armure, est-ce qu'il y a mieux? Non. Ici, armure, j'ai 10, c'est 10. Armure, 21. Armure, 3. Alors ici, est-ce que j'ai quelque chose? Il n'y a pas d'objet dans cette catégorie. Ici non plus. D'accord. On va rester avec la K47 de ce côté-ci. Et on va continuer d'avancer. Alors ici, le pic il y a pas les nouveaux temps. Quand on rejoint la Dark Zone, si on en croit un très bon test publié sur le forum. Je crois qu'il fait référence à ton test là, sauf erreur de ma part. Ah, je sais pas. Alors lâche ce truc, on avance. Comment ça se présente en face? Ok, je sens le sniper au-dessus. Ouais, il y a bien un sniper caché derrière là-bas. On va continuer d'avancer. Quelqu'un qui a juré. Ouais, c'est le PVP est vraiment impitoyable. Il peut être très fun, mais il peut être très 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 frustrant aussi. Salut Adelwin! Effectivement, ça fait un bail. Bonjour, bonsoir. Eh ouais! Alors j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup par ici. J'ai l'impression que je suis encerclé. J'ai aussi la même impression, même si je le vois pas encore. Ah tu vas voir. Attention, élément hostile à l'approche. J'aime pas quand il dit ça. Je me rapproche de l'action, mais le problème c'est que j'en ai encore à droite, et celui à droite c'est un snipe, sauf erreur de ma part, donc il faut d'abord que j'arrive à avoir un angle de tir. Je vais me déposer la manette de la PlayStation parce que je suis là avec la manette comme un con devant l'écran alors que je m'en sers pas. C'est l'immersion, la réalité virtuelle. Et ouais. Voilà, quand j'essaye de... Ça, c'est quand tu roules avec ta canne en voiture, et tu conduis pas, hein, donc tu es au niveau passager. Et que la personne a fait des conneries, ou pas, et toi tu essaies de freiner à sa place, tu vois. C'est ça, t'as le réflexe d'appuyer, ouais. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. J'en ai encore un au-dessus, putain il me fait chier celui qui est au-dessus parce que j'ai aucun angle sur lui, j'ai aucun angle de tir. Ouais. Et quoi, et de Lim, comment ça se fait qu'on t'a plus vu Oh putain. Ah d'accord, c'est toujours oui, d'accord. Ouais, ça pardonne pas.
toujours le problème avec les connexions. C'est ça, indignement. Non, je déconne. Voilà, où est-ce qu'il est, cet enfoiré de merde? Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, sors ta tête. Voilà. Oups, c'est fait. Voilà. Bah putain, je pensais que c'était parti. Capitaine Benitez, ici Faylo. Nous sommes des agents de la division. On a éliminé toute menace dans le périmètre. Je vous ai donné accès à notre système de communication. Vous allez pouvoir envoyer du soutien directement là où c'est nécessaire. C'est une bonne nouvelle, mais j'en ai une mauvaise. Ils ont des grands signes, des grands signes. Ils sont en train de mettre des explosifs sur les vannes du tunnel. Des cibles au-dessus de leur tête. Ils sont prêts à tout pour s'enfuir. Mais si les bombes explosent, vous savez comme moi ce qui va se passer. Il y a des rats. Des rats, mec. Bah oui, il y a des rats. Mais c'est parce que j'entendais des gars dire « je suis content de combattre à vos côtés ». Alors je me dis c'est bon, tu vois, et les seuls que je vois c'est eux. Je me dis c'est eux qui doivent dire « Ah, t'as la merde, quoi ». J'ai plus de caca sur ta radio. J'ai envoyé une démineuse s'occuper de cette bombe. Protégez-la. Quoi, il y a une bombe dans les parages? Oui, Et lui c'est une cible qu'il a sur la tête ou pas? Ah, ok. Pendant que je la désamorce. Oui, il y a des gens qui vont débarquer. Attention, hostile en approche. Ouais, ils vont tous venir du tunnel en fait, de l'autre côté du tunnel. De là où je viens. D'où tu venais, oui, tout à fait. Ok, je suis en position. Merde. On y va. Ah ouais, bah, c'est ça. Oh putain, ça pardonne. Il est parti se cacher, l'enfoiré. Ouais, en plus, normalement ça devrait aller, hein. C'est niveau 5 comme toi donc. Putain. Allez, jusqu'ici, je suis pas encore mort une fois, donc ce serait bien de. Je compte qu'il y a 4 ou 5 vats qui vont arriver donc. Mais il a trouvé le bon homme, l'enfoiré, ça qui fait chier, il s'est bien camouflé. Oh putain! T'as eu. Ouais, t'as eu? Ouais, bim. Une salve et j'étais fait. Ouais, mais celui-là, il a une mitrailleuse moyenne. J'ai envoyé une démineuse s'occuper de cette bombe. Protégez-la! Donc il faut que je trouve un bon angle de tir, il faut que je me mette dans un. Il faut que tu bouges surtout, ouais. Attention, hostile en approche. Là, comme ça. Hop. Au moins tu commences pas du début. Hein. Ouais. Parce qu'il devrait arriver par là. Ah non, ils sont là. Vas-y, tire. Une grenade, si t'embêtes, il a. Voilà, lui c'est fait. Alerte, hostile en approche. Mais il y a ses potes qui arrivent. Voilà.
concentration. C'est vraiment bien fait avec les jeux d'ombre, je trouve. À fond, tu les vois arriver, quoi. Ça déchire. Ça fait penser dans le film, 28 jours plus tard, qui sont dans le tunnel. Tu te rappelles la scène C'est pas mal. C'est vraiment ça. Je suis vite à quand même envie du vol hein, parce que la meuf elle se met dessus aussi, hein, la démineuse. La quoi? La démineuse, la nana qui démine est en train de déminer la bombe. Elle se fait endommager, hein. Il faut se tirer dessus aussi. Ouais, elle se fait tirer dessus là. Plus maintenant parce qu'elle a déminé la bombe, mais Nom de Dieu, c'est pas passé loin. Ces connards sont prêts à tuer n'importe qui pour obtenir ce qu'ils veulent. Moi j'ai presque pas. Rejoignez-moi au centre de contrôle. Tu vas par où là? C'est pas par là? Il faut aller au fond du tunnel. Ah bon? Oui hein. D'accord. Parce qu'ici il y a un truc. Pourtant le GPS m'indique d'aller par là. Ouais mais c'est parce que je suis décalé, je suis con, excuse-moi. Ah ok. Parce que t'étais parti à un moment dans l'autre sens. Ah oui, non, je cherchais des cartouches en fait. Je voulais looter. Ouais, ok. Ouais, tout le problème avec le décalage. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Je sais pas qui vous êtes, mais bienvenue. J'espère qu'on peut compter sur vous et vos copains cette fois. Pour faire quoi? Parce qu'il y a un putain de combat qui nous attend. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a des agents de la division en backup. La mauvaise, c'est que les autres là-bas, ils sont pas... En bouquin! Ah oui, c'est pas fini. Ouais. Ces meutiers sont entrés dans le centre de contrôle. Ceux qui peuvent se battre, battez-vous. Je veux tout le monde. Ouais. C'est le moment d'en finir. Bon, je dois te concentrer parce que là, c'est un petit peu chaud. Hein. En principe, je suis aidé, donc ça devrait aller, quoi. Ouais, mais il tire comme des manches. Hein. J'ai remarqué. Attaquer à distance. C'est fini.
de la cache-toi, de la cache-toi, de la cache-toi, de la cache-toi. Mais je le vois même pas en fait, il est tellement bien. Vous avez rien à foutre ici. Ouais, faut regarder les symboles qui sont autour de l'écran. Ouais. Mais c'est effectivement un jeu qui tu tombes vite dans le panneau de la vision tunnel. Hein. T'es en train de viser dans un coin et tu te rends pas par contre qu'il y a des ennemis qui sont en train de te prendre sur les côtés ou par le revers. Quoi. C'est pas mal. C'est bon, on l'a eu. Éliminer leur chef, c'est qui leur chef? Vous avez vu, le chef c'est la sniper. Bon, à un moment donné, moi j'ai plus de cartouches. Est-ce que j'ai laissé derrière les trucs? Oh putain, j'ai laissé plein de trucs à looter derrière. Oh putain, putain, bouge de là, 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 bouge de là. Mais putain! What the fuck? Je me suis chopé une balle de sniper, je crois. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah là là là. Alors quoi, qu'est-ce qui se passe là? Protéger, on recommence tout, c'est ça? Ou bien. Non, tu... oui, tu peux. À mon avis, tu recommences toute la partie d'écran. Mais bon, avec le recul, en voyant ce que tu viens de faire, je me donne pas que tu t'es pris une balle. Mais mec! Moi je me dis, je suis à couvert, ils sont loin. Mais bon, c'est pas ça. J'espère que, bon, revenant sur Dark Souls, maintenant tu penses, j'espère que la partie co-op sera plus facile à. Elle sera aussi facile à mettre en place pour le 2. J'ai pas compris, la partie quoi? La partie coopération, tu vois. Ah! 2 à 2. Ça pourrait être bien! Bah oui, surtout que cette partie, pour la première fois depuis longtemps, je jouerai au jeu tout à fait en aveugle, quoi. Parce que tu veux le Dark Metage, le DPC, et en fait, ça fait déjà blindé de temps que je suis sorti sur la PlayStation. Il y avait déjà tous les tutos, tous les solutions sur le web. Le 2, c'était un petit peu pareil. Et ici, pour l'instant, je suis en plein embargo. J'essaie d'éviter tous les spoils pour vraiment pouvoir jouer à. À la veuve complète. Ouais. Lui, il est bientôt fait. Je vais dire pour la suite, c'est vraiment dans la mise.
Mais j'ai encore regardé quelques vidéos de Dark Souls justement en me disant allez, enfin, pour me mettre dans le bain si tu veux. Et franchement, je suis pressé de m'y mettre quoi, parce qu'il est super joli. Ouais, je sais. Je sens bien que je vais passer quelques bons moments dessus quoi. Mais si tu l'as sur PC, c'est bien parce que comme ça on pourra faire de la coop. On pourra vraiment faire de la coop. Et c'est vraiment une grande partie de Dark Souls, la coop. Bonsoir, Genesiraf 76. Oui, bonsoir. Ok, les snipers sont dans la place. Tu les vois, ils sont tous les deux au-dessus là-bas. Heureusement que vous êtes avec nous. Il y a des cibles partout. Il y a Bravo qui te demande si t'as essayé Dark Souls Dungeon. Ah oui, pardon, j'avais pas vu, j'étais en train de regarder ce que tu étais en train de faire. Oui, tout à fait, bien sûr, j'étais même dans l'Early Access. C'est un très très chouette jeu, effectivement, très 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 orienté Cthulhu, inspiré par Cthulhu, surtout Cthulhu Gaslight, quoi. Le seul problème que j'ai avec ce jeu-là, c'est que c'est le RNG. C'est vraiment... Bon, on peut mitiger bien sûr le RNG, mais en général, moi, les jeux comme ça, où la chance joue pour beaucoup de choses, ça a tendance à m'énerver. Quoi. Maintenant, c'est vraiment à nouveau un petit peu le mécanisme de Cthulhu, quoi. Il ne faut pas s'attacher à tes aventuriers. Hein. C'est... Tu crées une équipe que tu essayes de faire passer, et les autres, c'est un petit peu des sacs à sable, quoi. De la chair à canon. Mais oui, très bon jeu, très bon jeu, très bon. Très belle direction artistique, très beau mécanisme, voilà. Mais je dois avouer que je suis pas encore arrivé très loin, quoi. Je suis peut-être dans ma 20e semaine ou quelque chose comme ça. Et ça c'est pas parce que j'ai pas joué beaucoup, c'est que j'ai chaque fois recommencé parce que je trouvais que l'orientation qui comprenait l'orientation qui... Attention, il y a un sniper ennemi un peu plus loin. Ouvrez l'œil. Dans ça c'est déroulé, ne me plaisait pas quoi. Donc je recommence souvent pour essayer d'optimiser les choses quoi. Pendant ce temps, je suis en train de me faire canarder. Oui, désolé. Heureusement que vous êtes avec nous. Allez, tu vas y arriver. Mais non, il est en face de lui et il tire pas, quoi. Tu vois, les PNJ me servent à rien, en fait. Oui, je t'avais dit que les PNJ c'était sous des manches. Bravo, rigole, grenade. Grenade. Ah, je vais arriver. Allez, on respire. Ou pas. Allez, on va essayer de se faire. Chance.
c'est aussi un bloc blindé jaune. Ouais, ouais, impressionnant. Il est bien. Oh putain, 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 il m'a fait. Tu vois la lumière du sniper, c'est en général ce qu'il est en train de se préparer à tirer, hein, donc... Ouais, mais après, le problème c'est que... Ah, je peux quand même le toucher quand il est caché, c'est bon. Mais je lui arrache pas énormément, quoi. Ça a frappé, en plus j'ai même plus beaucoup de balles, quoi. Comment est-ce qu'il calcule leur coup ici, là? Comment est-ce que je suis censé arriver à bout de tout ça avec aussi peu de munitions? Il faut avoir deux armes. Regarde, là j'ai quoi, 19, j'ai 28 cartouches, ouais, il me reste 28 cartouches. Tu as deux armes principales et tu as une arme en main. Sauf qu'en ce qui me concerne, inventaire. Ça fait pas rien, quoi. Non, je savais pas en fait. Celle-là. Voilà, et est-ce que j'ai aussi j'ai. Non, en fait, c'est la même. Non. Hop. 30 balles. Ouais, c'est pas énorme. Je vais tirer avec Lourdes qui est en train de calarder. Je l'en avec nous. Ouais, t'es mal mis. Balancer une grenade sur la gueule. On veut pas d'emmerdeurs ici. Heureusement que vous êtes avec nous. Je vous suis pas. Qui est bon. Oui, Tom a raison, grenade. Guéri. Oh putain, mais lui fait mal, oui. Quoi, tire.
c'est la ville. Super. Allez, montre ta tête. Ils sont en train de dégager la ville. Mais tu as encore trois. Enfin, je vois encore ici que tu as des trucs de santé à utiliser. Les trucs de santé, c'est quoi ça, les trucs de santé? Bah, tu as des clips de santé, tu as trois clips de santé comme je vois là. Ils sont en train de dégager. Comment je vais attendre? Comment est-ce que je prends ces clips de santé là? Ah! D'accord! Nous attaquons vous. Ah bah j'avais pas capté que t'avais pas capté. Non, j'avais franchement, je savais même pas qu'il y avait moyen de se soigner. On me dit que la menace a été éliminée. Là, alors je vous dis merci. Mega vous dit merci. Et tout New York vous dit merci. Ah, tu penses ça? Je me dirige vers la base avec une escorte. Venez me voir quand vous y serez. Voilà, bah tu l'as eu. Ouais. Beau travail. S'ils avaient fait sauter les vannes, on aurait perdu une des principales lignes d'approvisionnement. Maintenant, Benitez peut retourner à l'aile de sécurité. On se retrouve là-bas. On va chercher ton loot, hein, c'est bien. Ouais. Magnifique. GG. Merci. C'est bon, c'est terminé là. Cette mission là est terminée, oui, tout à fait. Bim. Donc tu peux regarder un petit peu ce que tu as eu comme loot, tu peux retourner dans ton QG pour augmenter ton QG. Ou alors tu fais les autres missions, hein, c'est comme tu penses. J'ai une carabine maintenant. Carabine avec. Agent, on a récupéré un enregistrement vidéo plutôt gratiné. Ces métiers valent pas mieux que des animaux. L'eau devrait vous l'avoir envoyé. En tant que deuxième arme. Carabine. Carabine, c'est pour sniper. Hein. Ouais, c'est la fusil de snipe. Je kiffe ça. Au moins de se mettre. Oh putain! Je vais pouvoir défoncer avec ça. Allez, ah oui, cours, hein. Cours! Comment on voit loin? Alors c'est ça qui est chouette, parce qu'avec le loot que tu peux trouver, tu peux mettre des viseurs x12, x15. Ouais. Et là tu peux vraiment faire du headshot. Et c'est là que la facette roleplay, entre guillemets, du jeu vient en ligne, parce que tu peux customiser ton perso avec des skills qui... Allez. Qui te font profiter les snipes ou... Enfin, c'est vraiment... Tu peux vraiment customiser ton perso comme tu veux, quoi. Alors ici, justement, on m'a dit... Amana. J'ai assez de ravitaillement pour aller améliorer l'aile de sécurité de ma base. Donc allons-y. Ouais, bravo, sauf que lui, attention, quartier général ennemi. Il s'est pas snipé. Non, je rigole. Oh putain, ça tire ici. Ah bah si, magnifique. QG ennemi neutralisé. GDF informé. Et t'as entendu comment il t'a insulté encore? C'est formidable. Il a dit putain de bâtard. Le chien. Ah, c'est pas mal. Et en fait, je me rends même pas compte, parce que comment je suis en anglais...
je ne fais pas attention à ça, quoi. J'ai l'habitude de faire un soutien d'anglais au boulot, ouais. mais en français, ça percute plus, je trouve. Oh, à fond. Le français, c'est la langue. C'est la langue de l'amour. Mais en même temps, c'est la langue des insultes suprêmes, quoi. À fond. On dit des choses comme ça. On dit toujours que l'allemand, c'est la langue de la haine. À fond. Ouais, c'est une langue qui sonne hostile, quoi. Ah, c'est assez guttural, quoi. C'est... Mais moi, j'aime bien. Tu pourrais faire une fois un live en allemand. D'ailleurs, t'es un public, toi, ton public allemand. Tu devrais faire avec eux. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, Tom, tu es de quelle origine? Je suis luxembourgeois. Mais tu parles la base de Luxembourg. Je parle toutes les langues, moi. Non, je suis quadrilingue à la base. D'accord. Anglais, français, allemand et un peu néerlandais, ouais. Fais-lui une petite démonstration en allemand. Dis-nous un truc bien méchant. Maintenant, un truc méchant en allemand. Ach du Schweinehund. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Chien de cochon, voilà. D'accord. Faites gaffe à vous quand même. Bon, est-ce que ça se passe? On est bientôt arrivé. Mais donc, ouais, Brimbourg, objectif de la soirée, c'est de réussir la mission nettoyeur. Maintenant que j'ai le snipe, je ne te le cache pas. Ça va être. Normalement, tu devrais y arriver, la raison. Hein, parce qu'ils viennent de loin et tu les alignes, paf. Ouais. Et en plus, tu as monté de niveau, donc. À fond, d'ailleurs, le Mérovingien, dans Matrix, il le dit, il aime le français pour les insultes. Il aime les insultes en français. Exactement. En fait, j'ai pensé à ça, bravo. J'ai exactement pensé à ça quand j'ai dit ça. Approchez-vous. Le capitaine Benitez nous a trouvé du café. Oui, j'ai réussi à récupérer ce que Carman avait mis de côté. Bon, on est responsable de la zone qui va de Midtown au Lower Manhattan. Parce que absolument personne ne peut quitter l'île, nous compris. Mais notre plus gros problème, c'est encore le manque d'effectifs. La plupart de ces quartiers sont actuellement occupés et sous le contrôle d'éléments criminels. Rikers, nettoyeurs, gang. J'ai pas assez d'hommes pour reprendre un quartier, encore moins pour maintenir l'ordre, du coup... Ces ordures sont libres de voler ce qu'ils veulent, de tuer qui ils veulent, simplement parce qu'il n'y a personne pour les arrêter. Ce qui veut dire que c'est à nous de nettoyer cette partie de l'île. Si on veut que les habitants aient de la nourriture et des soins. J'en sais rien. Vu la taille de la zone, et le nombre de tarés qui se baladent, je suis pas sûr que vous ayez les épaules pour gérer, sans vouloir vous vexer. J'ai pas envie de vous jeter en pâture à une meute de loups. C'est nous, les loups, capitaine. Je sais. Mais peut-être que vous pourriez convaincre la division de vous envoyer plus de gars. Pour le moment, il n'y a que nous. Il faudra vous en contenter. J'arrive pas à croire que je mets ma ville entre les mains des fédéraux. Dès qu'on a des infos, on vous tient au courant. Bonne chance. Il vous en faudra. Si je peux quand même dire quelque chose, pas trop une gueule de loup, moi. Je suis chinois, je vous rappelle. Oui, chinois enfariné. En fait, c'est le gars qui fait des nouilles dans sa cuisine et puis il a été appelé. Il a été appelé entre deux commandes. Tu vois, entre deux commandes, tu vois. Alors, il y avait plein de farine sur ses mains, alors il a frotté ses mains et il a eu toute la farine sur sa tête. Tout a l'air de fonctionner parfaitement. Merci de votre aide. Alors, pour la customisation de ta base, à nouveau. Tu vas avoir des gadgets en plus, tu vas avoir des skills en plus. Ouais. Et ça va aider à customiser ton personnage, quoi. Alors ici, spécialiste de récupération, madame, on va prendre ça aussi. Voilà. De nouvelles capacités sont disponibles. Nouveaux talents. Parfait. Exactement. Parfait, ça. Et mon aile de sécurité et en fonction est de 20% opérationnel. Ouais. Ouais. En fonction de ce que tu, de ton style de jeu, il y a des trucs tu te serviras jamais. Hein. Mais à nouveau, c'est là qu'il y a aussi la proportion du MMO du jeu qui vient se montrer.
tu as toutes les synergies quand tu joues en coop. Certains skills marchent bien avec les autres skills, quoi, d'accord, en synergie. D'accord. Alors ici, j'ai les premiers soins, ou quoi ? Abri intelligent. Renforce un abri, augmente, on s'en fout de l'abri. Donc j'ai le choix entre les soins ou les détecter. Je crois que je vais prendre les soins. Pour le moment. Quoique, j'ai le droit d'en prendre deux, normalement. Oui, tu peux en prendre deux. Alors, c'est pas là que je voulais aller. Ici, capacité. Équiper une compétence X. Alors, comment est-ce que je fais pour en équiper deux? Tu dois la signer. À un moment, quand tu choisis une... Voilà. Parfait. Non, c'est bon, j'ai trouvé, merci. Ah, non, t'as trouvé, ouais. Et tu as la même chose. Ça, c'est les compétences, mais tu as la même chose dans les talents. Alors, les talents... Les talents, c'est où? Parce que là, c'est les capacités. Ah, mais oui, ouais, t'as raison. Les talents... Alors ici, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai comme talent? Se mettre à couvert pour réduire le recul de 25% pendant 10 secondes. C'est tout ce que j'ai pour l'instant déverrouillé. Avec, à côté, quoi ça? Puis un ennemi en se déplaçant pour réduire les dégâts reçus de 30%. Ah ben d'accord, on va prendre ça. Hop. Voilà. Voilà. Toi, il y a certains talents qui semblent un petit peu bof-bof. Et sauf quand tu joues avec des en coop, ça devient intéressant parce que certains talents se répercutent sur tes co-joueurs. La voix qui parle comme ça au parlophone dans la basse, ça me fait penser à ce que j'ai entendu tout à l'heure en rentrant du boulot dans le métro. T'avais une voix qui disait que les métros circuleront jusque 19h. Dernier appel, 18h30. Tu vois, ça fait un peu couvre-feu comme ça, tu vois, ça fait... Oui, bah, c'est un peu ça, ce qu'on a pour l'instant à Bruxelles. Qu'est-ce que tu veux? Alors moi maintenant je veux aller voir nos nettoyeurs et c'était où donc? Confirme la réussite de la phase 1. Sur la map, c'était une des missions principales. Plus régulier, le réservoir est bienvenu. Bien sûr, bonne nouvelle. C'était la mission verte. Le grand à plat vert. 47 potentiels actuellement asymptomatiques. Reçu. Ouais. 263 affectés. Nettoyeur, voilà. C'est ça. C'est ça qu'on devait figer le ça. Affirmatif. Ouais. Agent, le docteur Kendall veut que vous sécurisiez la gare de triage de Hudson. La zone est devenue un camp de réfugiés, là où se retrouvent tous ceux qui ont été chassés de partout ailleurs. On a besoin d'échantillons sanguins prélevés sur des réfugiés, qu'ils soient malades, en bonne santé, ou qu'ils aient survécu à la grippe du dollar. J'espère. Le docteur Kendall en a besoin pour réaliser des tests. D'espoir, quoi, mais... Sécuriser le site, et nous, on se chargera du reste. Tu t'es révitaillé, hein. Ouais. Pas fait attention. Je me suis révitaillé avant de sortir. Ouais. Rimbourg qui me compare à Gengis Khan. Ah ben ton perso il a un peu la tête de ça quoi, hein, tu vois, c'est un peu le... Ouais. Le seigneur de guerre mongol. Putain, non, on vous doit tellement. On m'a bouffé alors. Bim. On y est mec. Agent, ici le docteur Kendall. Vous devez à tout prix protéger la vie des civils que vous rencontrez. Allez, c'est parti. Si on regarde les statistiques, certains de ces réfugiés ont tellement survécu à la crise du dollar. Par conséquent, ils disposent d'anticorps dont j'ai impérativement besoin si je veux avoir une chance de combattre cette saloperie. En ce qui concerne les malades, le fait de disposer d'une plus grande variété génétique d'échantillons du virus nous aidera à évaluer le taux de mutation. Alors, pour faire court, ces gens doivent rester en vie jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Je vais déjà prendre ça, et alors il fallait jeter une grenade dans mon souvenir. Hop, allez. Les relevés indiquent la présence d'un écho dans les environs. Alors la grenade devait aller là. Pour en toucher un max. Oh putain! Allez, tiens! Oh, mais faut pas faire putain, j'ai oublié qu'il y avait des grenades aussi à côté de moi, putain!
J'ai oublié qu'il y avait des grenades à côté de moi. J'ai oublié qu'il balançait des grenades, ces enfoirés. Je suis mort. Ah. Ouais. Parce que là, t'es pas encore mort. Ouais. En fait, tu es le chinois de Schrödinger, pour moi. Ça veut dire quoi? Toi, t'es mort et moi, je suis pas encore. Ah, t'es pas encore au courant. Mais... Bon. On va se refaire ça. Le chinois de Schrödinger, j'adore. Alors, grenade, hop. Ah, mais attends, parce qu'en fait, tu fais encore la même tactique que la fois dernière, alors que maintenant tu as un fusil de snipe. Et donc, je peux mettre beaucoup plus loin, c'est ça que tu veux dire? Oui, hein. Ok. Mais bon, vas-y, hein. Non, tu as raison. Possible, voilà, ici, comme ça, c'est très bien. Vous êtes proche d'un écho lisible. Non, d'autre côté, avec on a... Allez, hop. Voilà, et maintenant, on va utiliser notre nouvelle lunette. Hop, et on va essayer de toucher le réservoir. Plus, t'arrives à un beau long couloir pour les aligner. Ils vont venir vers toi et tu vas les prendre. Paf, paf, paf. Donc, ça, c'est un coup à la tête. Allez, montre-moi ta tête, hein. Allez. Oh putain, il m'a eu. Non. Si, il m'a eu. Mais comment t'as fait? Je sais pas. Une balle, deux balles. Attends, je vais voir. Analyse la situation pour moi. Bah oui, mais non. Allez. Bah oui. Tu étais en train de viser et il t'a envoyé une rafale, quoi. Ouais. Mais en plus, tu n'as pas, tu t'es pas guéri. Les relevés. Tu dois pas oublier ça, hein, que tu as la guérison, hein. Allez, c'est parti. Quand tu es juste à une barre de santé, la moindre balle te tue. Hein. Avec l'âge.
m'en sors bien. Hop, je recharge. Mais oui, hein. Je vais pouvoir m'approcher. Vous êtes proche d'un écho lisible. Et on va regarder un écho. Oui, les fameux échos, c'est leur façon de raconter une histoire, quoi. Oh, c'est dégueu, putain. Je crois que je vais gerber. Eh, c'est ça ou rien? Ah, c'était les gens qui étaient ici, qui se sont fait nettoyer. C'est ça. Écho le dauphin. Non, pas lui. Balise d'écho actif détectée. Ensuite, il devrait y en avoir d'autres dans les parages. Effectivement, il y en a juste là. Ça, c'est en plein dans la jugulaire. Toi, je vais toucher ta bombe maintenant. Voilà, amuse-toi. Alors ensuite il y en a d'autres qui devraient arriver. Et ils arrivent. Les blindés, donc là tu headshot vraiment bien et tu vois bien enfin, moi je le vois maintenant seulement, mais avec la dernière fois qu'on jouait c'est bien pour ces gars là. Ok, là je suis mal en fait parce que j'ai pris un sandwich. Ah non, c'est bon, il est monté. Ok, il y a le feu ici. Allez, il faut que vite que ça s'éteigne. Est-ce que ça s'éteint? Ça s'éteint, je vais pouvoir. Voilà, lui il est fait. C'est comme une merde. On va me taper l'autre. Hop, hop. Oh putain, putain, putain. Et comment c'était pour me soigner? C'était comme ça. Voilà. Nettoyeurs retiennent toute la population du camp en otage. Ça a l'air d'être le cas, oui. Et ça correspond à leur façon de faire. Est-ce qu'on a déjà été aussi loin? Si vous vouliez éradiquer toute trace d'un virus, non, vous iriez où? Là où se trouvent les foyers de concentration, les camps de réfugiés, les bidonvilles. Oh Seigneur, vous voulez pas dire que... Une solution draconienne, oui. Mais efficace. Ouais, si vous êtes une meute de cinglés portée sur le génocide... Vous vous demandez jamais si on mérite de survivre à ce truc, finalement. Tous les jours, docteur. Tous les jours. Bonne chance, agent. Bonne chance, agent. Ouais. Moi, j'ai faim, je vais rentrer, je veux une douche chaude et dormir. Partout, c'est quoi cette histoire? Je suis en train de brûler là. Ah oui, il y a un piège. J'aime pas trop cet endroit. C'est les pièges quoi. Il y a des charges. Okay. On va crever bêtement ou quoi? Bah, je pense que tu fais attention. Ouais, je crois que je vais crever.
soigner. Oh, mais ils ont des combinaisons abaissées, Brimbourg, hein. Les nettoyeurs. Attention, élévation du niveau de contamination. Vous avez entendu ça ? Vous êtes en plein dedans. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au sujet des réfugiés infectés. J'imagine que vous allez tout faire pour les maintenir en vie. Mais j'ai besoin de ces échantillons de virus et il me faut impérativement des échantillons d'anticorps viables provenant de survivants. Il faut qu'ils soient plus que juste en vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je m'en remets au travail. Kendall terminé. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Explique-moi plus clairement. C'est quoi cette histoire ? Pourquoi elle me donne des infos à moitié, la meuf ? Comment ça ? On va parler d'échantillons... Oui, ce truc là, bah non, tu risques de zigouiller tout le monde. Pas des échantillons, c'est les gens qui sont tenus prisonniers en otage par les nettoyeurs et pas. Plus que je regarde le jeu, quand on le joue, on ne fait pas tellement attention, mais ben, quand tu le regardes comme ça, tu te rends compte à quel point c'est vraiment bien, plein de détails, c'est vraiment bien modélisé et tout. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment l'impression, il y a vraiment des endroits comme ça qui racontent une histoire, quoi. Comme tu dis, c'est parce que moi je suis dans l'action et je fais moins attention à ce genre de détails, mais toi, du coup, t'as le temps de. Ah ouais. T'as l'occasion de contempler, d'observer. Allez, je peux avoir sa bonbonne, Hop. Non, justement, c'est pas désinfecté. Non ? Non, parce qu'ils sont encore vivants. Ah, ok, d'accord. Les infectés sont morts, en fait. Oui, la plupart, en tout cas. Mais les nettoyeurs, ils s'en foutent, quoi. Et eux, ils disent... On va tout griller pour être sûr, quoi. Alerte. Composé chimique potentiellement inflammable détecté. Vérification recommandée. De quoi tu parles ? Confirmé. Il s'agit bien de Napalm B.
Vu la quantité, je pense qu'ils comptent mettre le feu à toute la gare. Et quand ils vont le faire, ils vont tuer jusqu'au dernier réfugié qui a le malheur de s'y trouver. Il faut absolument mettre ce réservoir en lieu sûr. Où est-ce qu'il y a le réservoir ? Oh putain, putain, je suis là. Tranquille, en revanche. On va là. Hop. De là, toi. Et des réfugiés comme ça, des gens qui passent devant ta gueule, quoi. Tu vois, au moment où il faut pas. Ouais. Mais à nouveau, je pense que les réfugiés, c'est pas les. T'as pas de feu amical, quoi. Donc, tu peux tirer dans le tas, quoi. Tire un peu de main, c'est sympa. La machine là, la tourelle, ouais, ouais, la petite tourelle. Dis-moi que je recommence pas loin. Composé chimique potentiellement inflammable détecté. La tourelle est belle. Ceci dit, toi, tu peux en avoir aussi les tourelles. Hein. Confirmé. Ouais, j'imagine il s'agit que c'est bien de napalm compétence par la suite. Vu la quantité, je pense qu'ils vont mettre le feu à toute la gare. Et quand ils vont le faire, ils vont tuer jusqu'au dernier réfugié qui a le malheur de s'y trouver. Il faut absolument mettre ce réservoir en lieu sûr. Mais tu peux être déçu parce qu'il y a des grenades spéciales qui tourellent. Ah oui, d'accord. Alors ici, normalement, t'as un gars dans les parages avec une bonbonne, je le vois pas. Il est là. Et j'aimerais bien avoir sa bonbonne, donc retourne-toi s'il te plaît. Les malades doivent se cacher à l'intérieur. Ça va pas durer. Moi j'ai plus de grenades. Rimbourg, j'ai plus de grenades. Ah. Rimbourg, fais quelque chose. Change de.
reste caché, soigne-toi. Voilà. Attends, je pirate ton jeu, je t'en adjute. Il est bon. Ça fait pas mal, ça. Ok, il y en a un qui est fait. Il n'en reste plus qu'un. C'est jouable, s'il dépose pas de tourelle. Allez, maintenant que je sais où il est, je vais juste soulever. Putain, c'est qui m'a tiré dessus, il y en a un autre. Non, il y en a qu'un. Allez, je me soigne. Il en reste rien en plus comme vie. Tiens. Il y en a quand même un autre. Ouh, il y a une porte qui s'ouvre là-bas au fond. Pas de fumigène, j'ai plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Ok, lui il est bientôt fait. Je se relève, pleine tête, c'est parti. Par contre, il y a toujours. La tourelle, je crois qu'elle est finie. Ok, j'ai vu un truc bouger au fond, non? Non? Non, c'est moi, la musique a changé. Ok, maintenant on va looter. Ici, le truc a looté. J'ai entendu du bruit. Mon inventaire est plein. Comment est-ce que je fais pour me débarrasser de trucs, là? Je peux plus looter. Alors, c'est une touche... Voilà, c'est tomber les trucs. Ok, on va aller trouver les trucs de merde, quoi. Ouais, il faudra... les trucs gris, hein. Tout ce qui est gris, tu laisses tomber. Il faudra que tu regardes un petit peu, d'ailleurs, si tu n'as pas des meilleures armes, des meilleurs trucs d'inventaire, justement, des meilleures armures. Alors, déjà, on va virer. Comment on fait pour virer, ici? Donc, 1-1. Équiper, blablabla. Démanteler l'objet? Ouais. Tu peux démanteler, mais... Pas les gris. Les gris, ça rapporte rien, quoi. Donc les gris, je démantèle. Non, pas démantèler. Comment je fais pour jeter du coup? Parce qu'ici, je vois pas... Je vois marqué pour démantèlement, mode, comparé, retour, équipé. Ah, je sais pas, sur PC, s'il y a une touche pour jeter les trucs. D'accord. Alors peut-être qu'on sait pas jeter les armes, peut-être qu'on peut jeter d'autres trucs. Ou alors, oui, essaye de démanteler, mais normalement, il y a moyen, quoi. Mais je sais pas te dire lequel c'est. En même temps, je piche pas c'est quoi cette touche à démanteler, c'est L, c'est un L. L2. Comme touche, j'arrive même pas à comprendre. Je vois que c'est un L qui est indiqué, ou alors c'est un. Ah, d'accord, voilà. Marqué pour démantèlement, et ensuite. Démanteler, c'est le. Il faut pousser sur le bouton. Hein. Il faut pousser sur le stick. Et tenir stické. Tenir appuyé. Pour faire de la place ici. J'aime bien tenir stické. Voilà. Bonjour, Thomas Müller, j'ai un vrai mot. Alors, ensuite, là on a fait un tout petit peu de place ici, armure. Qu'est-ce que j'ai? Niveau 6, sac à bandoulière, équipe-moi ça. Démanteler le reste.
Mais j'ai un peu vu dans ton inventaire, tu as des meilleures armes que ce que tu utilises pour l'instant. Ouais, là j'ai la... quoi ? Attends. Il me semble. J'ai la K-47 classique que j'utilise en primaire. M4 de la police. Enfin, c'est... Ah, j'ai l'M4 de la police en fait. Ici, hop. Hop. Ici en primaire, je vais prendre l'M4. Je vais garder la carabine. Voilà, tu vas virer la cala et prends le M4 de la police. C'est fait. Voilà. Ouais, alors je vais voir sur mon bandeau, c'est pas pour ça. Dans les gants. Et alors, idem pour les armures, il faut toujours regarder la fluctuation des chiffres. Tu as les chiffres en haut, en vert, si ça augmente, enfin, tu vois les stats, quoi. Ouais. Continuer. Il faut monter les escaliers. Alors dans mon souvenir, il était question de virer une bombe ou un truc du genre. Ouais, un réservoir de napalm en fait. Oui, c'est ça. Localiser les commandes de la grue qui se trouve. Plus de grenades, moi je trouve ça triste, un peu comme un cookie sans pépite, une chemise sans manche, un Michael Bay sans explosion. Ici il y a du mouvement. Ici il y a du mouvement. Alors, on prend notre carabine. Hop. De chevalerie qui est là. Celui-là il me fait penser trop à un personnage de chevalerie, tu vois, avec le bouclier. Le... Hein? Tu vas le voir, tu vas avec le voir, je suis en train de le viser là, tu vas le voir arriver. On dirait vraiment un gars qui va crier Agatha! Agatha! Trop fort. Elle est bien efficace là. Oh putain! Qui lance des grenades incendiaires. Ah. Elle va me bloquer, c'est fini, elle a combien les grenades? Ça c'est une bonne question. En général, ils en ont pas mal. Là c'est la troisième et je suis bloqué, je peux pas avancer. Ouais, je vois. Ou alors tu sautes à travers le feu. Ah oui, c'est pas sauter, je suis con. Ah, il est juste là. Attends, j'ai moins de là. Ah là, il est fait. Dès que la situation sera sous contrôle, j'ai une équipe de choc Serra JTF prête à passer à l'action. Ils se chargeront de récupérer des échantillons sur un maximum de réfugiés. Il y aura du personnel médical ? Oui, docteur. Il y aura deux ambulanciers. Deux ? Seulement deux ? Vous inquiétez pas, le reste de l'équipe est formé aux premiers soins. Ils savent comment trouver une veine. Sans contaminer les échantillons, j'imagine. On voit des mouettes dans les parages, est-ce qu'il y a des oiseaux, des animaux D'accord. Oui, bien sûr, il y a des chiens, il y a des rats, il y a des chats. Merci, docteur. Des mouettes, je peux tirer sur agent, tout. À vous de jouer.
Mais faut pas tirer sur les chiens. Non, il a dit une moitié de chien. Ça aurait été marrant avec cette image. Alors ici, qu'est-ce qu'il veut ? Retrouver le contre-maître des nettoyeurs. Hop, 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 je vois un peu en route. Ça, c'est le boss. Parce que comme tu dis le contre-maître des nettoyeurs, ça sonne encore gentil, tu vois, tu dis le contre-maître des nettoyeurs, c'est... Pour moi, c'est un employé de bureau, quoi, tu vas face à un gars, quoi, c'est... T'attends pas à tomber sur un gars hostile. Bah oui, mais tu vois, c'est justement ça le truc, en fait, c'est des employés de la ville, les nettoyeurs. C'est des anciens employés des services de voirie qui ont pété un plomb. Sont équipés de lance-flammes et qui ont... Donc quand il dit le contre-maître des employeurs, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. Est-ce que c'est vraiment un contre-maître, quoi. Je vais lui en mettre une dans la nuque. Ça l'a même pas tué. Ce type qui résiste à tout, quoi. Allez, donne-moi ton tanuque. Oh putain, il a mis une... Oh putain, bouge là, bouge là, bouge là, bouge là, bouge là, bouge là. Oh putain, je suis mort. Non. Si, si, je suis mort. J'ai pas vu le gars arriver par derrière. Ah, flûte. Ça veut dire quoi ça, je recommence ou je recommence juste là, on est d'accord. Ouais. Non, mais je crois que tu recommences là, quoi. Tu recommences juste devant ce truc là. Cette fois-ci, je vais l'attendre de loin. Hop. Tiens. Attends, laisse-moi en être le juge. Non, je suis vraiment mort comme une merde. Il m'en sait. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Non, c'est bon, j'ai compris. Je vais vraiment me mettre dans un endroit où ils pourront pas me choper par derrière. Je vérifie quand même ce qui peut venir par derrière. Non. Là, je suis bien. Alors ensuite. Même que je lui en mette une entre les deux yeux, le gars il se met déjà à bouger, tranquille, parce qu'il m'a déjà vu. Non, il m'a pas vu. Il a ce poste de garde. Il est là. Ok, on va lui en remettre une dans la nuque. Non, il a bougé, arrête de bouger. Tiens, une première, tiens, une deuxième. Et il y a une troisième qui va suivre. La troisième, voilà. Ici le docteur Kendall, équipe d'échantillonnage, vous me recevez ? Battez-la à l'appareil, je vous écoute, docteur. Ah, lieutenant, parfait. Écoutez, j'ai besoin que vous notiez les informations de chaque personne sur laquelle vous prélevez un échantillon. Âge, sexe, groupe ethnique, état de santé général sur une échelle de 1 à 10. Et ensuite, vous étiquetez et vous organisez les échantillons en fonction... Le gars qui relève ce genre de points, quoi. Excusez-moi, docteur. Ça pourrait peut-être attendre que la mission soit entièrement accomplie. Vous voulez dire que vous ne faites pas confiance à votre agent ? On ne peut pas répondre, on est PJ-13 aujourd'hui. Je donne simplement la priorité à ce qui est prioritaire. Lieutenant, veuillez contacter le docteur une fois la zone sécurisée. Compris. Ne vous inquiétez pas, docteur. On s'occupe de tout. J'espère bien. On s'occupe de tout. Qui s'occupe de tout ? C'est la survie de l'espèce humaine qui est en jeu. Oh putain, il m'a vu ! Bien su, docteur. Terminé.
charge. Lui, il est fait. On analyse la zone. Je n'ai pas d'autres points. Ok. On va avancer un petit peu. On va recharger en même temps. On est toujours à la recherche du contremaître des nettoyeurs. Ah ouais. Ouais, t'en as encore un pour un plus gros. Bravo qui divague. Ça a l'air d'être tout près. J'ai pas envie de me faire prendre en embuscade. Faut monter. Bon, alors vous connaissez la situation. Il est trop tard pour sauver ces gens. Ils sont déjà tous morts. Mais il n'est pas trop tard pour nous. Et si on fait... Ça n'est pas trop tard pour le reste du pays. Alors au boulot. Oh, en fait, c'est tout près de la fin, en fait. Ouais. Ça serait bien, parce que là, ouais, je suis ouais, totalement découvert. J'ai pas moyen de me cacher ici. On balance des grenades. Peut-être descendre, alors. Ouais, je vais descendre. Non, pas une bonne idée, maintenant. Il y a du feu en bas. Attends, je descends, descends, mets-toi couvert. Voilà. Maintenant, tu vas prendre une petite grenade. Et il a pensé à la même chose, cet enfoiré. Non. Il est juste là derrière moi. Il est juste là, cet enfoiré. Viens-moi ce chien. C'est fait. Je l'ai eu. Ah non, il y en a encore là-bas. Lui il est balèze. Ouais. Lui il faut pas rester là. Allez, cache-toi, mets-toi à couvert. Hop, voilà. Et il y a du feu en plus. Là il est en train de te canarder. Allez, calme-toi, prends ça. Oh putain, bouge de là. Oh putain, je suis mort. Ouais. Et c'est pas grave, parce que tu verras commencer à nouveau au-dessus là. Ah, et quoi, il vaut mieux que je reste au-dessus alors? Non, il vaut mieux que tu descendes. T'es sûr? Il vaut mieux que tu descendes, oui. Bon, alors vous connaissez la situation. Il est trop tard pour sauver ces gens. Ils sont déjà tous morts. Mais il n'est pas trop tard pour nous. Ce sera peut-être pas trop tard pour le reste du pays. Alors au boulot. Ouf. Pas de l'empire. Alors on va se soigner. Et on va remonter. Fallait que je descende. Y'a pas un autre endroit pour les rejoindre de l'autre côté Non, pas par pas ici en tout cas. Je suis obligé de passer par là, quoi. Putain, mais dès que je monte, ils sont là. Alors, on va essayer de faire sa bite. Hop. Mauvaise idée. Descends là. Cache-toi. Voilà. Je te soigne. Ne laisse pas t'échapper.
c'est quoi ce feu? Oh putain! Ça devient chaud, ça devient chaud. Je voyais plus rien en fait. Ah bah ouais. Avec les... Ouais. Tu vas voir les deux lance-flammes là qui me viennent en pleine face. Oh purée. Ah ouais. Cette mission est super longue en fait. Ouais, elle est assez longue celle-là. Mais en général, les missions de scénario, elles sont en plusieurs parties comme ça. Bon, alors reconnaissez. Mais là, t'es à la fin. Il est trop tard pour sauver ces gens. Ils sont déjà tous morts. Mais il n'est pas trop tard pour nous. Et si on fait le nécessaire, il sera pas trop tard pour le reste du pays. Alors au boulot. Je te dérange pas. Je te laisse faire. Ok, là les autres vont arriver. Mais ça va très bien, mais après que tu trouves le bon coin et après bim. Ouais, en fait, je me rappelle bien quand tu as fini la première, deuxième vague, tu montes les escaliers qui sont à droite et là tu. Non, mec, pourquoi est-ce que je vais attendre? Bon, alors reconnaissez la situation. Il est trop tard pour sauver ces gens. Ils sont déjà tous morts. Comme ça. Mais il n'est pas trop tard pour nous. Et si on fait le nécessaire, il sera peut-être pas trop tard pour le reste du pays. Alors au boulot. Oh putain, j'ai manqué tous mes tirs. J'ai survécu encore moins longtemps que tout à l'heure. J'ai l'impression que je viens de trouver mon nouveau spot chaud quoi. Je vais directement monter en haut ce fois-ci. Non, pas paniquer, je vais le faire comme t'as dit. Hop, allez, hop. Bon, alors vous connaissez la situation. Il est trop tard pour sauver ces gens. Ils sont déjà tous morts. Mais il n'est pas trop tard pour nous. Et si on fait le nécessaire, il sera peut-être pas trop tard pour le reste du pays. Alors au boulot. Recharge. Il y en a qui a eu la même idée visiblement. Allez voilà, je suis bien.
Ouais, je pense que quand t'es au-dessus de l'escalier, là tu peux vraiment. Attention, je t'ai planqué. Voilà. Il y en a qui monte. Allez, on y redescend. Quand ils me voient, ils vont lancer une grenade. Oh, c'est chaud, n'empêche. Là, je les vois plus sur mon radar. Oh putain, il est monté! Il reste Martinez là-bas au fond. Et c'est le boss, ouais. Ouais. Cache-toi de là, cache-toi. Hop. Martinez, je veux juste sa tête à Martinez. Ouais, essaye de le sniper de loin et. Vraiment bien prendre ton temps pour l'avoir. Parce qu'il est coriace. Donc tu vas chercher ton loot et puis et tu dois encore faire un truc pour la grue. La grue quoi. Et ben voilà, t'as fini la mission que t'avais si beau, si autant de mal pour finir la fin dernière. Mec. C'est pas comme si cette fois-ci ça avait été beaucoup plus rapide. Des munitions, et ici au-dessus.
terre plein. J'ai besoin des trucs. Normalement, l'arme que tu vas récupérer chez lui, elle est vraiment bien. Chez qui? Bah, le Martinez, là. Oh putain, c'est lui en plus. C'est une lunette, en fait, que je laisse ici. Alors, il va falloir que je fasse un peu d'espace. Prendre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va jeter ici? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un autre pistolet? Non, j'ai déjà le meilleur. Ah non, là. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a? Petite poignée. Silencieux. Ok, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux virer ici par contre? Armure. Armure, ici, démanteler objet. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux prendre? Voilà, j'ai tout pris. Parfait. On peut continuer. Bravo pour le jeu de grenier aventure. J'ai regardé ça vraiment très peu au début quand il sortait ça quoi. Et bon voilà quoi, c'est un petit peu le même truc qu'on fait nous, sauf que j'ai l'impression que c'est vraiment fort scripté et il y a beaucoup de post-production dessus quoi. Donc bon voilà, mais forcément ils ont les moyens de le faire quoi. Mais bon, voilà, quand c'est sympa, quoi. Maintenant, c'est le jour du grenier, donc forcément, il a déjà un capital de sympathie. Agent, mais si bon, vous voilà, trouvez les commandes de la grue, mettez le réservoir en sécurité. Aussi, donc, ça joue. Il est beau gosse. Oui, ça joue. voilà, non, je veux dire, on va pas chier dessus, quoi. Je veux dire, c'est bien, quoi. Mais c'est... Oui, voilà. Pour moi, c'est scripté à mort, et puis voilà, quoi. Mais bon, ça peut être sympa, quoi, mais voilà, quoi. Oh putain! Michael Bay, es-tu là? Excellent travail. Ouais. Oui, Michael Bay. Et maintenant, écoutez bien, équipe d'échantillonnage. Je vais avoir besoin de ces échantillons étiquetés et organisés de manière à pouvoir étudier certains facteurs corroborants. On va passer sur un autre canal. Utilise pas des mots que je comprends pas, ça veut dire quoi ça corroborant? Corroborant. C'est comme le cormorant, mais regarde-moi. Toujours est-il que moi j'ai rempli ma mission, je suis fini, moi, oui. Je retourne à la base. GG, félicitations. Merci. Il faudra que tu fasses un peu le ménage dans ton inventaire. Hein. Ouais. Vendre les armes ou les démanteler. Voilà. Tiens, c'est quoi ça, ce truc bleu? Ça veut dire qu'il y a une base? Agent, les données comparatives que vous avez obtenues au camp de réfugiés nous ont apporté de nouveaux éléments de réflexion. Il y a un autre rapport qui vous attend dans la base de données. Ah non, c'est un téléphone qui sonne, laisse-moi tranquille. Pas maintenant. Cet appel attendra. Moi, je vais rentrer à ma maison. Pour ça, il va me falloir ça. Où est-ce qu'elle est? C'est rencontre, c'est ça hein? Ouais. C'est ici, non, c'est la base. Planque. Une planque tout près. Bon, juste pour te dire, je pense que tu as du fast travel, hein, si tu dois pas toujours te taper le chemin à pied pour retourner à une base. Non, mais j'aime bien. Ah ben, j'aime bien aussi, figure-toi, donc... Et merci Brimbourg pour la petite... Agent, on a quelques difficultés avec le réseau de communication, vous pourriez essayer de les régler? Perso, j'ai jamais tourné une scène pareille, alors la précision, je vais pas vous aider sur ce coup. Terminé. Vocabularistique. Ah oui, je vais faire plaisir à Brimbourg et je vais essayer de shooter dans un corbac. Un corbeau. Alors, il m'en faut un, évidemment. Où est-ce que je pourrais choper un oiseau ici dans le coin? Est-ce qu'on voit quelque chose là? Non, c'est quand on les cherche qu'on les trouve pas. Civil dans le besoin, attends. Donne une boîte de conserve.
Vous me sauvez la vie. Ah, ah, elle a fait tomber un truc. J'ai pris. J'aurais-il qu'on voulait shooter dans un corbac. Ah, j'ai entendu des oiseaux. Là-bas, il y a un animal. C'est quoi ça? C'est un chien? C'est un chien. On tire pas sur le chien. Tom, on va pas tirer sur le chien. Oui. Je pense que tu sais même pas tirer sur le chien. T'inquiète pour le gourbeau. Bah attends, d'accord. D'accord, on regarde ça pour la prochaine fois. Exact. Moi je vais déconnecter ici. On est arrivé, ça je suis content. C'était bien. Bah ouais, on a fait une seule longue mission. 2 heures de jeu, mec, c'est tellement rare. Allez, qu'est-ce que t'attends? De la musique. Mais il faut trouver ton style de jeu. Hein. Moi, moi perso, je joue avec un fusil de snipe et avec un SMG. Donc, c'est une petite mitrailleuse légère qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui tire très rapidement. Donc, je fais presque du corps à corps avec ça. Quoi. Mais j'ai vu des gens qui utilisent que les flingues et les mitrailleuses lourdes. C'est vraiment ton style de jeu, faut trouver ton style de jeu quoi. Ouais, mais ça va venir tout doucement quoi. Enfin, peut-être à un moment donné, je vais. Quand tu joues en solo, la plupart des gens qui jouent en solo, ils jouent en fusil de snipe pour le loin et ils utilisent un SMG avec un très haut DPS pour le combat rapproché. Ouais, je vois. Enfin! Comment est-ce que ça marche? Voilà. Il fallait que je fasse quoi? Option, déconnexion, se déconnecter. Eh bien, Brabourg et les autres qui étaient là, je sais pas si Tom, tu te souviens de qui a communiqué sur ce chat, je me rappelle de Brabourg de Twisted. Il y avait AP ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Ouais, il y avait. Qui est-ce qu'il y avait encore? Attends, je vais vite voir. Il y a Satorak Necro qui vient d'arriver. Mais c'est trop tard. Il y avait Genevi, Raph 76 ou 76. Il y avait Edelnim. Ouais, il y avait Twistiti 59 et API, voilà bien sûr. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints fidèlement. Et quoi, est-ce qu'on peut dire que jeudi prochain on a vraiment un live ou enfin on reprend? Écoute, de mon côté, il y aura un live et ce sera Toulouse. Donc d'accord. Je vais faire un Toulouse parce que voilà quoi, j'espère que tout le monde sera présent. Et si pas tout le monde est présent, je fais quand même quelque chose. Voilà. Ouais, on se fera un truc en petit comité comme on a déjà fait. Quoi. Exactement, quoi. Donc je prévois le truc parce que voilà quoi, il faut qu'on continue. Voilà. Ah bah merci à vous en tout cas parce qu'il y a Brimbourg qui nous remercie, il y a Two City qui nous remercie, merci à vous d'avoir suivi le truc, c'est toujours kiffant, on discute, on rigole, on se prend pas trop la tête, hein, vous aurez pu le constater, je fais ça un peu n'importe comment mais c'est le but, j'ai envie de dire. C'est le but à la fin de bus quand même, voilà. Ouais, j'espère que vous amusez aussi. Allez bah à jeudi prochain. Ouais, la bonne soirée à tous et donc jeudi prochain pour une reprise des annales de Rollist. Tom, merci. Oui, bah de rien. Et alors moi, je vais couper. Salut à tous.